Monsieur Bokertov, 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 Baruch Abba, vous êtes nombreux ce matin avec nous ce matin. Je voudrais vous dire une chose qui est très importante. Ah, d'abord, on commence par les noms des malades. Monique Esther Batodet, Odette Cohen Batmesodi, Joël Tila Batodet, Jocelyne Batoraïda, Sandir Chaya Bat, Monique Esther, Liz Noémi Batjuli Frecha, Luisa Batsimcha, Zora Solika Bat Sultana, Brigitte Kweka Bat, Lola Yakuta, Liora Bat Aziza, Hervé, le nom de ton papa? Shlomo Ben Avraham. Hein? Pardon. Albert Avraham Ben Shlomo. Et la Mazal Bat Sultana et tous les malades du Ham Israël. Kakadosh Baruch. Pardon? Déborah Isabelle Claire Bat Maïcha. Bracha Ve'atzlacha Todaraba. On est là ce matin, Doragi. Oula, vous entendez les oiseaux? On les sent même. Merci, Boré Olam. Je ne peux plus te remercier, Kadosh Baruch Hu, tellement que je suis redevable d'être en Israël maintenant. Oui ou non? Non, parce que je vous vois avec, comme ça, avec une, avec, ce matin, avec une tête de je ne sais pas quoi. Remercie Hachem. Simon, la terre d'Israël a été donnée à ces illuminés qui ont décidé un beau matin de prendre leurs bagages et de quitter la France. Ah, ben voilà. Et... simplement, j'ai une petite dédicace à ma maman qui est chez moi à la maison et que elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, je voudrais habiter même au fin fond d'Israël, mais ne pas rester en France. Elle m'a dit, j'ai envie d'habiter même au Tzfat, je ne sais pas où, n'importe où. N'importe où. Elle m'a dit, j'en peux plus que depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de mai, on est avec des manteaux et des écharpes à Paris. J'ai reçu une vidéo d'une commémoration de la veille de la Shoah d'une communauté dans laquelle je faisais partie au Lila. Et je vois cette vidéo, je vois les gens qui étaient là, il y avait une commémoration, ils étaient tous encore en manteau et avec les écharpes. Maintenant les manteaux et les écharpes, on a oublié quand est-ce qu'on les a fait rentrer dans l'armoire. Tu te rappelles, David? Hein? Ça se vend pas ici, les manteaux et les écharpes. Merci Boré Ola, merci à Kadosh Baruch Hu. Et que je rajoute que Dieu fasse que tous nos frères et nos sœurs, un jour, ils puissent habiter ici, avec nous. C'est tout. Que Dieu les aide, qu'ils puissent venir habiter avec nous. Je voudrais parler d'un thème aujourd'hui, qui est un des thèmes principaux de notre vie. Celui de se retrouver un jour, à l'âge de 50 ans, ou un peu plus. On a fait grandir nos enfants, ils se sont mariés, ils sont bien. Ils nous amènent des petits-enfants et ils sont bien. Simon, c'est pas ça le but d'une vie? Et qu'avec la femme qui nous a accompagnés dans les pérégrinations de notre vie, on est bien avec elle. Tant bien que mal, mais on est bien avec elle. Tant bien que mal, mais on est bien. On est bien. Et qu'on reçoit nos enfants et nos petits-enfants, et qu'on se dit merci Boré Olam, merci mon Dieu. Voilà, on a accompli un peu notre passage dans ce monde, on a fait ce qu'on devait faire dans ce monde. C'est pas ça le but? Je pense que c'est ça le but. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir où je vais vous amener, si vous me suivez un petit moment avec moi, dans ce que je vais dire ce matin. La paracha de la semaine, qui est la paracha de Kedoshim. Ah, Shmuel. Dieu parla à Moshe en disant Daber el béni Israël ve amart el kol adat Israël. Parle à toute l'assemblée d'Israël. C'était pendant que Dieu avait rassemblé dans Raquel tout le peuple d'Israël. Ve amart alehem, et tu leur diras Kedoshim tiyu. Ki kadosh ani Adonai Elohechem. Il y a une mitzvah de la Torah qui vient d'être dit ici. Michael, écoute ce cours aujourd'hui et partage-le à tous tes amis. Je t'en supplie, ce cours d'aujourd'hui, partage-le à tous tes amis parce que tu verras ce que tu verras. Kedoshim tiyu. Vous serez saints. Vous serez saints. Baruch haba à tous nos amis qui se connectent avec nous. Partagez ce cours.
dédier les noms des malades et des personnes que vous avez besoin de miséricorde de Dieu. Soyez saints, Kikadosh Ani, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Hervé, qu'est-ce que ça veut dire être saint? Être saint. Je vais. Soyez saint parce que je suis saint. Olivier, soyez saint parce que je suis saint. C'est quoi être saint? Et c'est une mitzvah de la Torah d'être saint parce que je suis saint. Traduction de mots, tu dis Dieu, moi et vous, on est connectés. Si vous voulez cette connexion avec moi, je vous demande qu'une chose. Comme je suis saint, vous devez être saint. Mais comment est-ce que je peux être saint? Olivier, d'après toi, comment on peut devenir saint? Hein? Rashi te dit, je vais t'expliquer, te dit Rashi. Soyez saints. Soyez séparés, mina arayot. Rashi dit, éloignez-vous de tout ce qui vous est interdit dans les unions interdites, la débauche, mina avera du péché. Car tout endroit où la Torah, elle a parlé, Shata Motsegeder, que tu trouves une restriction à propos de la débauche, Ata Motsekedusha, tu trouves juste après la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, la Torah, elle est en train de te dire quoi? Tu fais une allusion. Sépare-toi de tout ce qui est interdit. Éloigne-toi. Tu vas être connecté à Dieu. Tu vas être connecté à Dieu. Mais une connexion que personne ne peut avoir. Une bracha, une réussite. Éloigne-toi de la débauche. Si tu t'éloignes de la débauche, tu seras saint. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh, il y a fait mes autres. Je ne vais pas rentrer dans le Maïmon, dans le Narmali. Tu as raison, Shmuel. Mais aujourd'hui, il y a une marloquette, il y a une discussion entre le Narmani et le Rashi. Je reste sur le Rashi, si tu me le permets. Il ramène ici notre maître, le Rav Yerucham de Mir dans Da'at Torah. Il dit une chose. Il dit, c'est bizarre, la Torah nous demande de nous éloigner de la débauche et qu'en nous éloignant de toute forme de débauche possible, on rentre dans ce qu'on appelle la sainteté. Et il dit, Ta'ava, Arayot Viznut, Hina Nidgalmut Shelatiouv, Veashikutz Be'atzman. Les formes, toutes les formes de débauche que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, c'est ce qu'on appelle l'expression la plus normale de tout ce qui est aux yeux de Dieu dégoûtant. Maintenant, moi je te dis une chose. Que tu manges tel ashgacha ou tu manges pas trop kasher, etc. Jamais Dieu, il a dit, c'est l'expression de du dégoût. Dieu a dit ce mot dans tout ce qui était débauche. Veimken, il dit le Rav Yerucham. Adam amoné atzmo mehem, memale trovato apshuta. Svurim aïnou shadam zeino kasher, lo. Il dit le Rav Yerucham, je ne comprends pas une chose. Quelqu'un qui se sépare de la débauche, quelqu'un qui s'éloigne, quelqu'un qui met des barrières dans sa vie, quelqu'un qui met des barrières sur ses yeux, quelqu'un qui met des barrières sur tout ce qui est de relations interdites. Quoi? On va l'appeler Kadosh? Qu'est-ce que ça veut dire Kadosh, Hervé? Saint. Saint. C'est vrai que d'après Rashi, le mot Kadosh vient du mot séparation, qui d'ailleurs, quand on dit à une femme « Hareat mekudeshet li »« Tu mets mekudesh, mekudash, kadosh, tu mets sanctifié. » Le mot sanctifié ne veut rien dire dans la Torah. Il a une connotation. Tu es séparé des autres hommes et tu deviens que ma femme. Le mot « kedoshim tiyu » soyez séparé de toute forme de débauche. Kedoshim tiou, vous devenez saint. Il dit le Rav Yerucham, on n'a jamais vu que quelqu'un qui se sépare de quelque chose, il devient saint. Ça veut dire quoi? Shechen kedusha ma'ala gedolahi. Parce que pour arriver au degré de la sainteté, on le sait, le Messilat Yesharim y ramène
tous les degrés, le chovot alvavot, tous les degrés de la, jusqu'à arriver à ce qu'on appelle kadosh, saint. D'ailleurs, c'est Rabbi Pinchas Ben Yair qui, dans la Gemara de Masechet Avodah Zara, page 20, amène là-bas, lui, les degrés qu'un homme arrive à la sainteté. Or, la Torah te dit ici, quand tu te sépares de la débauche, tu deviens quoi? Saint. Il y a un problème. Haketzad, il dit le Rav Yerucham, il y a un problème ici. Il dit, je comprends pas. Bemachonehu, me'adam amone atzmo migneva. Il dit, quand un homme s'éloigne, par exemple, du vol. Il voulait voler, il vole pas. Il s'éloigne du vol. Est-ce que la Torah l'appelle saint? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Que cet homme-là, qui s'éloigne avec ses yeux, avec sa tête, de relations interdites, on l'appelle saint. Saint, kadosh. T'entends, des fois, il y a un rave, il est saint. Il paraît qu'il fait des brachot. Je peux te dire une chose, il y a des personnes très simples qui sont saints. Parce qu'ils se sont éloignés de tout ce qui est de débauche. Mais là, il te dit, Rav Yerucham, il faut que tu m'expliques pourquoi celui qui s'éloigne de la débauche, il est considéré saint. Celui qui s'éloigne du vol, il n'est pas considéré saint. Pourtant, le vol, c'est un interdit de la Torah, aussi grand peut-être que les autres. Il dit, Shkan Chidush Viesod. Atava mida ibadam. Il dit, regardez, je vais vous dire une chose. Il y a un des traits de caractère que tous les êtres humains du monde l'ont, qui s'appelle les envies. Mida ra'a hanetuna belibo minirurav. Elle est chez nous, ancrée en nous, depuis notre prime jeunesse. Mikivan shekar. Et puisqu'il est ainsi, Zakuka Poresh Mimena Lishbor Mida, celui qui s'éloigne de l'envie, qui fait partie des traits de caractère dominants d'un être humain, il a besoin pour s'éloigner des envies, de briser quoi? Un des traits de caractère, qui est celui des envies. Zot Efshar La Asot Arvera Kaliede Kedusha. On peut le faire qu'avec ce qu'on appelle une sainteté. Rak Aliadea Itromem Adam Vitnase Me'al Shetef Hata Ava. C'est grâce à ça. Grâce à la brisure d'un trait de caractère les plus dominants de l'être humain, qui s'appelle comment? Les envies. D'ailleurs, Rav Dessler, il ramène une chose. Il dit, Rav Dessler, tu veux t'éloigner des envies? Il dit, Rav Dessler, Agedera Cheni, il dit, Rav Dessler, quand tu veux t'éloigner des envies, de la débauche, l'argile est à tsmo li froche, mi ta avata olamaze, shelobim kom mitzvah. Il te dit, il y a un devoir d'un être humain dans ce monde. Que tu sois très religieux, un peu moins religieux. Si tu veux avoir une connexion avec Dieu, éloigne-toi de ce qu'on appelle toute forme de débauche. Mais alors comment tu fais pour t'éloigner de ces formes de débauche? Parce qu'il faut briser, on vient de le voir, il dit Rav Yerucham. Il faut briser un des traits de caractère les plus dominants de l'être humain, qui est les envies. La asok, il dit Rav Dessler, big doucha, bederech dvekut batora veit la avout. Il dit Rav Dessler, je vais t'expliquer une chose. Tu veux t'éloigner de la débauche, il va te demander une chose, de t'attacher à une forme de sainteté. Une synagogue, un bétamidrash, un lieu de Torah, des cours de Torah, un rabbin qui va te fracasser la tête. Ouais. Qui ne va pas te dire que Baruch HaShem, tout va très bien. Il y a des rabbins aujourd'hui qui sont là. Non, ils font là que des commémorations sur les morts de la Shoah. Des commémorations. Moi, je voudrais que ces rabbins prennent la parole. Parce que c'est des rabbins très bien. Et qui commencent à dire au peuple d'Israël, mesdames et messieurs, on est face aujourd'hui à un des plus grands dangers de notre vie. C'est celui de ces couples qui sont en train de se désagréger, qui n'arrivent même plus à maturité d'un couple, avant de disparaître. Qu'après un an, deux ans, trois ans de mariage, les couples se disloquent. Qu'est-ce qui se passe? Je vous dis, qu'est-ce qui se passe? Manque de Kedusha. Manque de sainteté. Sainteté? Ah, c'est pour les rabbins, ça.
manque de sainteté. Écoutez-moi bien. Ce que dit Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shehakol Nihya Bidvaru. Ce que dit notre maître. Écoute bien. Le Rav Arush, il ramène. Il dit, on est face aujourd'hui, Hervé, à une société. Écoutez, Simon, écoute ça, tu vas aimer. On est face à une société que Bah Sheker Mitgaber Berigbou Atsum Beivutim Noraim Beta Avot Mitunafot Bizminut Metorefet. On est face à une société où les portes vers la débauche sont ouvertes comme jamais on a eu depuis la création de l'humanité. C'est devenu normal. Mieux que normal. C'est devenu très beau. Le shaker. Il appelle ça le shaker. Je vais vous expliquer pourquoi. Le mensonge. Tu allumes Instagram. Tu allumes ces choses-là. Et qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Des morceaux de viande. De la viande. Et plus la viande sera appétissante, et plus la personne qui déballe sa viande sera... Mais elle aura du succès. C'est ce qu'on appelle le mensonge. Pourquoi il appelle ça le mensonge? Le Rav. Il te dit, je t'expliquais pourquoi c'est le mensonge. La vérité est éternelle. Le mensonge est passager. La vérité, elle est éternelle. Un vrai amour avec tes enfants, c'est éternel. Tu n'as jamais vu qu'après 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, tu dis à ton fils et à ta fille, regarde, chacun choisira son chemin, on se quitte. On s'aime plus, il n'y a plus d'amour. C'est arrivé ça? Jamais. Pourquoi? Hervé, pourquoi? Avec tout ce que nos enfants ont pu nous faire comme souci, que Dieu les protège. Pourquoi? Où il y a la vérité, où il y a l'amour vérité, elle est éternelle. Et puis, on est arrivé aujourd'hui à un amour qui est quoi? Il passe. C'est un moment. Shmuel, ce que je vais dire maintenant va choquer beaucoup de personnes. Moi, j'aurais voulu que les rabbins dans les choupotes, dans les mariages, demandent au Khatan et à la Kala, pour combien de temps vous vous mariez? Est-ce qu'on peut avoir une visibilité? Pour combien de temps vous vous mariez? Puisque vous vous mariez pour vous kiffer, pas pour vous aimer, mais pour vous kiffer. Or le kiff, à un moment donné, il passe. J'ai kiffé pendant des années le saumon fumé. Oh, je ne le kiffe plus. J'ai kiffé la boutargue. Non, je la kiffe toujours. Je la kiffe toujours. Mais tu kiffes, c'est pour un moment. Tu kiffes, vous allez dire, c'est pour toi, tu kiffes. C'est pour un moment. Mais quand tu dis, j'aime mes enfants, ça n'a rien à voir. C'est pour toute la vie. Ah, comme tu veux. Et il te dit, on appelle ça un monde de shaker. On est en train de se vautrer dans un monde de mensonges. Et on kiffe, hein. C'est un monde de mensonges. Il dit, Maou Rochachetz. Il dit, je peux vous dire une chose, je vais être rapide ce matin. C'est quoi la, comment on appelle, la tête de la flèche? Vous savez, une flèche, hein, la pointe, merci David, la pointe de la flèche, de tout ça. Il dit, le Rav, « Wa yetzerara shela ta'ava yedua » C'est le yetzerara de la débauche. « Que Moshe Katou bezoara kadosh » Comme il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, « Ikar a yetzerara vi ikar anisayon » L'essentiel du yetzerara aujourd'hui. Et l'essentiel de l'épreuve qu'on passe aujourd'hui. Et que le but pour lequel l'homme est venu dans ce monde, il dit, le Zohar HaKadosh, ou Be'inyan Shel Kedusha ou Shmira Tabrit, c'est de garder ce qu'on appelle l'alliance divine qu'on a en nous avec la Brit Mila et avec notre esprit et avec notre esprit. C'est de le garder. Regarde, il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai, et tu veux être un tzaddik?
tu vas être quelqu'un que Dieu il te répond quand tu veux. Fais très attention à une chose. Le but pour lequel tu es venu dans ce monde. Les femmes. Les femmes. Les femmes. Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans Sichot Aran, Kuf Tet Vav, Ikar anisayon shel adam ba'olam hazeh. Le but de l'épreuve, l'essentiel de l'épreuve d'un homme dans ce monde, hi bata ava azot shel ani'uf. C'est ce qu'on appelle la débauche. Ve'afilu il dit, et même, ta'ava ta mamon. Je peux vous dire une chose. Je m'arrête un instant, je fais une parenthèse pour que vous compreniez la chose. Si on enlevait l'envie de la débauche dans le monde, des milliards, de centaines de milliards, des milliers de milliards de dollars s'arrêtent d'être engrangés dans l'humanité. Vous savez pourquoi? Les réseaux sociaux, les habits, les marques, de t'habiller, les opérations esthétiques, à n'en plus finir. Tout ça est terminé. Parce que tout ça, c'est une séduction. C'est que de la séduction. Et le monde, l'économie de la séduction, engrange des milliards de milliards de dollars chaque année. Réfléchissez bien à ce que je dis. Et vous allez voir que c'est vrai. Il dit le Rav, Rabbi Nachman, même l'envie de l'argent, afapishi itava, qui est une des envies les plus mauvaises, ikarani sayon, il revient et dit, mais l'essentiel de l'épreuve d'un être humain dans ce monde, c'est ses yeux. Rabbi Nathan ramène dans l'écouter à la route. Ikar anisayon shel adam ba'olam hazeh uta'avat ani'uf. L'essentiel, et là je parle aux hommes d'abord, l'essentiel de l'épreuve dans ce monde. Maintenant je t'explique. Une personne qui fait attention à ça, elle ouvre les portes de la Parnassa. Une personne qui fait attention à ça, elle ouvre les portes de la santé. Elle ouvre les portes de la vie. Parce que l'essentiel de l'épreuve, dit Rabbi Nathan, utahavatani ouf, la débauche, les envies de la débauche. Ki adam nishlach la'olam rak bishvil hanisayon va'abichira ve'ikar hanisayon. Parce qu'un homme, il est envoyé dans ce monde pour passer des épreuves. Ve'ikar hanisayon est l'essentiel de l'épreuve qu'un homme doit passer dans ce monde. Hibetahavatani ouf. C'est l'essentiel de l'épreuve dans la débauche. Elle tient la personne du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Mais quand elle Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, il écrit, chez Kola Tsarot, Vekola Bilboulim, Sheyesh Baolam, tous les malheurs qui viennent dans ce monde. Bifrat, surtout, Hamachlokot, les bagarres et les disputes dans les couples, ou Biglal, parce que, chez Lohamdim, Benisayon, chez Lata Avazot, parce qu'on n'arrive pas à tenir dans l'épreuve de cette envie qui est l'envie de la débauche. Écoutez-moi bien, vous allez le voir tout de suite. Je ne suis pas en train de dire des paroles philosophiques, je suis en train de parler de quelque chose de très normal. Il dit le Rav, Masha Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit dans le Zohar, que l'essentiel du Yetzerara, c'est la débauche. Mouchachim Lavin, Hetev, vous devez bien comprendre, il dit le Rav, que ce n'est pas un chidouche, quelque chose de nouveau que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a amené. Et la Kvar Mitrila Tabria, il dit depuis le début du monde, ça a été le combat. Il dit quand Adam et Ève, le Midrash, il dit, ils ont eu des relations, qui c'est qui a vu ces relations? Le serpent. Et le serpent a eu, qui n'était pas un serpent comme aujourd'hui, c'est une métaphore d'un serpent, a eu envie de prendre Ève. Et il va décider d'amener la mort dans le monde pour se débarrasser de Adam et de prendre Ève. Ça c'est depuis le début de l'histoire de l'humanité. Il dit, Nimsa, il en sort, que Trilatara, que le début du mal, qui a amené la destruction dans le monde et la mort, qui a commencé par cette envie-là. Et là il termine et il dit une chose extraordinaire. Il dit, il te dit, là nous arrivons ici aujourd'hui, à la fin des temps, au summum de cette envie de la débauche qu'aujourd'hui on l'a mis au stade de l'art. C'est devenu un art. Des femmes qui simplement ont voué leur vie à exhiber leur forme, sont devenues quoi? La viande de la viande, sont devenues quoi? Des stars. Et que des milliards de femmes les suivent, en se disant que le summum du bonheur, c'est de devenir un morceau de viande appétissante. Rien d'autre, hein? Rien d'autre.
Dieu sait combien j'apprécie et je mets en hauteur la femme. Que ce que je dis, c'est vrai. Tzrim la da'at, il dit. Atava, il dit comme ça. Da'at ha'oyev. Adam lo muda la oyev. Mashi kore le ma'aseim kulam. Mimi dota kfiro bata avot shonot. Lo mi vini ma'ekar ou mimi la. Ki kol zman che Adam lo mi vala, il dit. Mitkane, velo zoche le tikkun abrit. Tant qu'un homme, je parle de l'homme ici, n'arrive pas à ce qu'on appelle tikkun abrit. Le tikkun haklali, que nous connaissons de Rabbi Nachman de Breslev. Il est venu pour le tikkun abrit. Purifier son âme, enlever de sa tête la poubelle. Enlever, vous savez, quelqu'un qui a enlevé de sa tête la poubelle, il est connecté à Dieu. Kedoshim tiyu, quand Dieu dit, soyez saints. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Et vous, prochimina arayot, éloignez-vous de la débauche, ki kadoshani, car je suis saint. Vous savez, qu'est-ce qu'il dit Ravi Roham? Ravi Roham, il dit, qu'est-ce que Dieu il est venu dire? Soyez saints parce que je suis saint. Soyez saints parce que je suis saint. Dieu te dit, tu veux une connexion avec moi? Moi, je suis saint. Je suis éloigné de tout ça. Tu veux, toi, te connecter à moi pour que dans ta vie, toutes les portes s'ouvrent? Je peux te demander une chose? Sois saint. Éloigne-toi de tout ça. Automatiquement, tu deviendras saint. Tu brises l'un des traits de caractère les plus dominants de la personne. Tu deviendras saint. Et si tu deviens saint, ta connexion avec moi, elle est une des connexions les plus fortes qui peut y arriver au monde. Ouais. Je le dis ça aux hommes et aux femmes. Qu'ils ont commencé à perdre tout dans leur vie et qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, cette maladie qui s'appelle la débauche est en train de détruire toute connexion qu'ils ont avec Dieu, un beau matin, ils se retrouveront seuls. Et quelqu'un qui se retrouve seul, son espérance, elle est très limitée. Et il dit comme ça, il dit, même un homme qui est dans sa tête dans la débauche, il peut écouter tous les cours de Torah, il peut écouter toutes les idées philosophiques, tout ça reste Begeder Théoria. Ça va rester chez lui qu'une théorie. Car que tant qu'il n'est pas encore nettoyé de cette envie-là, à Kol Sagurlo, tout est fermé. La Rencha Yetzerara. Et c'est pour cela qu'il dit que quand un Yetzerara arrive à faire tomber un être humain dans ce qu'on appelle Tikkun Abrit, Tikkun Abrit, c'est la Brit Mila. Tikkun Abrit, c'est la débauche. Tikkun Abrit, c'est la débauche des yeux. Si le Yetzer Hara a fait tomber un être humain dans ça, eh bien ici, il dit que « Maftiach et nitzrono ala adamaze ». En vérité, il a déjà gagné le match. Le match n'est pas terminé. Il a déjà gagné le match. On est à 10-0. Il a déjà gagné le match. On est à 10-0 à la 70e minute. Oh, ça va, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Le match, il continue, mais quoi? Il n'y a plus rien. C'est terminé. Il dit, Rabbi Yaakov Abersera, dans son livre, Ginze Ameler, Srotu Yagen Alenu Amen, Rabbi Yaakov Abersera, il dit, Les Fikach, Irba Torah, les Azir, à la Kedusha Bechol Makom. Il dit, sachez, la Torah, elle a beaucoup parlé de se sanctifier, de garder ses yeux. Kedoshim tiou, la Torah elle a dit soyez saints, c'est la paracha de cette semaine. Vite kadishtem, soyez saints et devenez saints. Vite kadishtem et devenez saints. Ki efchar lo la adam lishrot buruchaniu ta kedusha et dira bien comme abersera. Car il ne peut pas y avoir une place pour de la spiritualité dans le cœur d'un homme. Zulati bioto kadosh vetao, seulement quand il s'est éloigné de la débauche. Traduction des mots. Hé, David, tu parles avec un homme de Torah. Il t'écoute, il dit, c'est sympa. Rien ne changera en lui. C'est pourquoi son cœur s'est bouché. Il dit, Rabbi Yaakov Abersera. Car pour qu'un cœur s'ouvre à ce qu'on appelle une vraie vie. C'est quoi une vraie vie? Simon, c'est quoi une vraie vie? C'est que cette âme qui est en toi, pour un laps de temps défini, tu l'as fait quoi? Tu la fais grandir, tu étudies, tu apprends, tu avances. Cette âme-là, elle se bouche, elle se ferme, elle n'écoute plus rien. Quand il y a à l'intérieur... Alors, tu peux parler avec des hommes et leur dire, tu sais que tu vas briser ton couple. Moi, chaque fois qu'on m'a appelé pour me dire, on a entendu grave que telle et telle personne est en contact avec une femme célibataire ou mariée. Dans les deux cas, c'est... l'une plus grave que l'autre. Vous savez qu'est-ce que je lui dis? Je peux rien faire. Pourquoi, Mira, vous le connaissez? Pourquoi vous pouvez rien faire? Quand un homme est dans la débauche, quand une femme, elle est dans la débauche,
tu peux essayer de lui expliquer la suite de l'histoire qui va être qu'elle va mourir, qu'elle va se fracasser la tête, qu'elle va perdre son couple, qu'elle était en train de... qu'elle avait devant elle une vie très belle. Elle est partie vers l'illusion, c'est fini. Pas besoin, j'ai pas besoin de rajouter plus que ça. Il y a des personnes ici qui sont en train de faire comme ça. Ils ont vécu cette histoire. C'est ce qu'il dit Rabbi. C'est ce qu'il dit Rabbi Yaakov Aber Serra. Quand ta tête elle est remplie. Quand ta tête elle est remplie par des étoiles. Tu connais les étoiles? Les paillettes. T'es mort. Je peux te parler 2 heures. Je peux te parler 5 heures. Ça changera pas. Dans ton corps à toi, tu vas faire entrer. Mais vous savez ce que je veux vous dire une chose? C'est les paroles de Rav Dessler. Tu veux éviter tout ça dans ta vie? Éloigne-toi. Viens dans la synagogue. Reste à la synagogue. Synagogue. Oh, le rabbin. Tous les matins, il crie. Il est là, il crie tous les matins. Et à un moment donné, il nous a saoulés. Reste là. Parce que le rabbin, il va te sauver. Parce que le rabbin, lui aussi, il a besoin d'être sauvé. Donc le rabbin aussi, il se cache. Le rabbin aussi se sépare. Et au moment où c'est qu'il se sépare, le rabbin, il vous sépare à vous aussi. Pour pouvoir être loin. Parce que sans ça, tu peux pas. Il dit Rav Dessler, éloigne-toi, ne côtoie pas. Il termine et il dit la chose suivante. Il dit comme ça. Que Lama, il dit comme ça. Que dit le Rav, je peux vous le faire court, il dit le Rav. Vous savez bien que c'est là, on est dans une situation très délicate. Je ne vais pas vous lire dans le livre, je vais vous le dire par cœur ce qu'il dit. David, écoute-moi ça, mais mettre pour les jeunes couples, écoute-moi ça. Il dit le Rav. Vous savez que la demande d'une femme, elle est la suivante. Une femme, les femmes, nos filles, qu'on respecte. Une femme a besoin d'une chose dans sa vie. Une quantité très grande de ce qu'on appelle un amour émotionnel. Émotionnel. Une femme a besoin, écoutez-moi bien, vous allez le voir. Une femme a besoin de se sentir aimée. Une femme, elle a besoin de se sentir respectée. Une femme, elle a besoin de se sentir adulée par son mari. Une femme, elle a besoin d'entendre des mots de son mari de considération. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. C'est vital pour elle. C'est vital pour elle. Je répète encore une fois parce que il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas compris. Une femme, pour qu'elle vive, pour qu'elle se sente qu'elle existe, elle a besoin de la considération, du respect, de l'amour, de la patience, de la compréhension d'un homme. Si elle n'a pas ça, vous allez le voir tout de suite. Un homme, qu'est-ce qu'il a besoin d'une femme? Un homme a besoin dans sa vie... Pour se sentir aimé, il a besoin que dans la chambre à coucher, il y a ce qu'il y a. Et s'il n'y a pas ça pour un homme, il ne se sent pas aimé. Écoutez-moi bien la différence que je viens de vous dire. Je ne pense pas qu'un rabbin aujourd'hui osera dire ce que je suis en train de dire. Parce que, vous savez pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai tellement de personnes qui m'appellent sur ces sujets-là. Vous ne savez pas ma vie. Donc, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi moi je parle de ça. Donc là, je suis en train de répondre à tout le monde. Je répète, un couple qui n'y a plus rien dans la chambre à coucher est un couple qui va se terminer. Enfin, en vérité, une femme ne peut pas dire à l'homme, tu n'as pas besoin de la chambre à coucher pour vivre. Si elle lui dit, elle est en train de lui dire que leur couple est terminé. Sauf qu'une chose, une femme, pour que dans la chambre à coucher tout se passe bien, elle a besoin d'avoir, c'est obligatoire chez elle, elle a besoin d'avoir dans sa vie ce qu'on appelle sa dose émotionnelle.
qu'elle soit aimée par son mari, qu'elle soit respectée, qu'elle soit la plus belle, qu'elle soit la meilleure, et que son mari lui dise, et qu'il ne lui dise pas simplement comme ça, mais vraiment. Si elle n'a pas ça, il n'y aura pas le reste. Et le problème, vous allez dire pourquoi je parle de ça maintenant, le problème, beaucoup de femmes aujourd'hui n'ont plus de la part de leur mari, parce que le mari est occupé, il y a des soucis, il y a des problèmes, il y a la parnassa, il y a tout ce que tu veux. Ils n'ont plus cette dose émotionnelle. Et voilà qu'au bureau, un homme qui veut atteindre son but et de choper cette femme qui est mariée, qu'est-ce qu'il fait? Il va lui donner cette dose émotionnelle qu'elle n'a pas à la maison. Et là, je m'arrête un instant, parce que moi j'ai une femme qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, Rav Cohen, vous devez le dire et le redire. Quand une femme, elle est dans un désert émotionnel, elle tombe dans le piège de n'importe quel homme. C'est très dur ce que je suis en train de dire. C'est très très dur. Moi j'aurais voulu que même des personnes coupent ce morceau et le transmettent à tout le monde. Alors le problème c'est quoi? C'est que c'est un serpent qui se mord la queue. Parce que l'homme ne reçoit pas ce qu'il veut recevoir, qui est la partie intime. Comme il la reçoit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il prive sa femme de l'émotionnel. En privant sa femme de l'émotionnel, elle est dans une carence émotionnelle. Elle, c'est pas qu'elle se venge de son mari. Elle ne peut pas passer à l'étape suivante qui est une relation intime avec son mari, puisqu'elle est dans un état de détresse et de manque émotionnel. Et donc, elle ne donne pas à son mari. Son mari ne reçoit pas, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, comme son mari ne reçoit pas, qu'est-ce qui se passe? Regardez, toutes ces femmes que vous voyez ici, je peux vous dire une chose? Qu'elles sont en train de faire du sport. Elles font quoi là? Je vais aller au franco, qu'est-ce qu'elles font là? Elles font que du sport pour faire du sport? C'est un combat. Vous voyez là ici? C'est un combat de l'esthétique pour plaire. Les pauvres. David, comme elles n'ont pas cette attention d'un homme, elles sont obligées de modeler leur corps pour arriver à une perfection, pour avoir cette attention. Ces femmes, ce ne sont pas des femmes qui ont envie de, entre guillemets, de coucher avec n'importe qui. C'est pas vrai. Elles ont un besoin émotionnel. Et là, je suis en train de dire quelque chose de très violent ce matin. On nous demande à nous les hommes de se séparer, d'être kedoshim. Sauf que quoi? On vit dans une société aujourd'hui où la femme, elle est dans un grand désespoir parce que si elle n'est pas dans les canons de la beauté, le mari, il est sur Instagram. Puis tu te poses une bonne question, pourquoi le mari et la femme, ils arrivent à une situation que quoi, Simon, il n'y a plus d'amour entre nous. Bah ouais, mais bien sûr qu'il n'y a plus d'amour entre vous. Parce que tout ce qu'il fallait faire, vous ne l'avez pas fait. Je répète encore une fois, une femme, elle a besoin, c'est un besoin vital, d'être aux yeux de son mari, la meilleure, la plus belle, tout. Il faut que ça vienne du cœur. Ma femme, c'est la meilleure au monde, point. Une seconde. Si entre-temps que tu dis ma femme, c'est la meilleure au monde, tu vas regarder sur les réseaux sociaux et que tu vois là-bas tous les bouts de viande les plus beaux au monde, c'est évident qu'après, quand tu regardes ta femme, tu n'as pas compris qu'est-ce qui se passe. On est bien d'accord. Donc tu vois bien que le problème, il est là. Kedoshim Tiyu. Partagez-moi ce cours, je t'en supplie, partagez-moi ce cours. C'est horrible. Je reçois des coups de téléphone de femmes qui me disent, je voudrais vous voir. Moi, je ne reçois pas des femmes seules. Je reçois des femmes qu'avec leur mari. Mais qu'elles me disent dans des messages, quand je dis, laissez-moi un message. Moi, je ne vous réponds pas. Je ne vous parle pas. Je ne parle pas à une femme seule. Il faut qu'elle soit avec son mari. Sinon, je ne la reçois pas. Mais elles me disent, Rav, il n'y a plus rien qui se passe. C'est fini. Je répète encore.
pour ceux qui viennent de prendre ici. S'il n'y a plus de relation intime entre un homme et une femme, en principe, c'est la fin. Sauf que c'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est pourquoi une femme ne veut plus avoir de relation intime. Je répète, une femme qui n'est pas rassasiée émotionnellement ne se donnera pas à son mari. Et le mari, lui, qu'est-ce qu'il pense à ce moment-là? Elle se venge de moi. Elle se venge de moi. Donc, comme elle se venge de moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais lui faire la vie la plus amère. C'est ce que me disent des hommes. Et je dis aux hommes, laisse tomber pour l'instant. Mets-toi pendant un mois, deux mois. Reconstruis l'émotionnel avec ta femme. Montre-lui. Parce qu'une femme, c'est ce qu'elle a besoin. Quand ces femmes, ils n'ont pas cet émotionnel de la part de leur mari, n'importe quel abruti au bureau, il va les entraîner vers une catastrophe. Je répète encore une chose. Même dans les bureaux. Vous savez, je vais vous dire, je termine avec ça. La réussite d'un homme, Shmuel, tu sais quoi? C'est qu'à 50 ans, il est assis avec sa femme qui est devenue une partie de lui-même. Le corps de son corps. Ses enfants sont assis. Il y a des petits-enfants. Et qui dit, voilà, les enfants, ils sont normaux. Les petits-enfants, ils sont normaux, on a bossé. On a bossé pour amener une normalité dans notre couple. On a fait grandir une famille, Baruch HaShem. Tu sais comment on appelle ça, Hervé? La réussite. La réussite. Non, c'est la réussite. C'est l'expression de la réussite. Et puis tu verras les autres. Ceux qui cherchent encore le rêve à 50 ans, 60 ans. C'est pathétique. Mais ça fait... Des fois, je vois des femmes comme ça, j'ai pitié. Je ne les juge pas, j'ai pitié. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles ont cherché toute leur vie? Qu'on les aime. Le seul problème, c'est que la société nous a donné une image de l'amour qui était tellement erronée qu'on n'a pas su c'était quoi aimer. Puisque la société nous a donné une image de l'amour que quoi? Qui est quoi? C'est quoi l'image de l'amour que la société nous a donnée? Ben, si tu kiffes, tu aimes. Si cette femme elle est attirante, tu l'aimes. Puis le reste, on s'en fiche. Et puis après un moment, on s'en lasse. On a mangé, on s'en lasse. Et tu es face à des millions de femmes qui ont un besoin. Celui, comme quand elles étaient une petite fille, d'être aimée. Parce qu'une fille a un besoin vital, une femme a un besoin vital. Je peux vous dire une chose, pour celles qui ne m'ont pas encore compris, ceux qui ne m'ont pas encore compris, je peux vous donner encore une dernière petite chose. Comment vous avez réussi à vous marier avec votre femme? Comment ça se fait qu'elle a dit oui? Vous l'avez séduit par quoi? Émotionnellement. 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 Je vais être un peu vulgaire. Vous n'avez pas sauté sur elle pour qu'elle vous dise oui. Ouais ou non? Émotionnellement. Qu'est-ce qui s'est passé après? Qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, l'émotionnel est parti. Il n'y avait plus d'émotionnel. Et là, tu tombes face à des sociétés qui sont devenues des sociétés de débauche. Parce que les choses vitales de la vie, on les a pas eues et on se retrouve dans la débauche. Ah bah alors monsieur, il a une maîtresse. Ah bah madame, elle a... comment on appelle ça? Un amant. Comme ça on dit. Elle a un amant. Et vas-y que ça mange de la viande. Et vas-y. Et le couple. Et la vie. Un couple, nos parents, nos grands-parents, comment ils ont vécu? Tu as vu nos grands-mères? Tu as vu nos grands-pères? Tu as vu nos parents à nous? C'était quoi des icônes? C'était quoi? C'était des maîtres, c'était des les plus grandes forces de notre vie. Où ils sont aujourd'hui? Où ils sont aujourd'hui, ces hommes et ces femmes? Kedoshim tio, kikadoshani. Et pour arriver à cette situation de Kedoshim tio, essayez d'abord d'arranger un peu les choses que vous devez arranger dans votre couple. Si votre femme, elle est heureuse avec vous, parce qu'elle est satisfaite d'avoir reçu ce qu'elle a, sa part émotionnelle d'attention, ouais, même quand c'est dur, d'attention. Et votre mari a reçu ce qu'il doit recevoir. On n'y arrive pas à cette situation. Partagez-moi ce cours, je vous remercie. Brachavatzlach.